No, porque solamente me... Ah, no escuchás. Para traducir no me vas a escuchar. Yo estoy hablando y vos no me escuchás. ¿Ah, sí? No, no. Sí. Ah, okay. Claro, ¿cómo se dice, Mariela? Es que te escuché un poquito por Zoom, dice, y tenemos delay, parece, y eso que estamos en el mismo país. Ahí está escribiendo Mariela. Ah, dice que me está escuchando bien ahora. Perfecto. Sofi, ¿vos me escuchás? Ah, ok. Sí, yo estoy mirando quiénes son las que están queriendo entrar. Sí. Hay que decirle a los que están con nombres así que 104, ese vivo 104, vivo 1716, que pongan nombre, que se identifiquen por lo que pasó el otro día, ¿viste? Y se metieron dos a agredirme. Pero son de acá, feministas, terribles, son dos mujeres, dos pibas muy violentas, que aparte son acá, las identifican mucho y... Pero bueno, pero hay que pedirles a todos los que van a ingresar que se identifiquen con nombre y apellido. Sí. Porque hay muchos que están sin número, sin saber quiénes somos, quién son. Happy International Domestic Workers Day. I'm Elizabeth Tang, the General Secretary of the International Domestic Workers Federation, IDWF. This day, June 16, belongs to us domestic workers. I feel very excited to talk to you from the IDWF office, the Secretariat in Hong Kong. This year, domestic workers everywhere are facing many challenges as we are under crisis. Health crisis, economic crisis, pero avísenle. And even political crisis for some of us. The IDWF has been monitoring this situation since the beginning in February. To respond to this crisis, we have created a solidarity fund in April. As the General Secretary of the IDWF, I feel extremely proud and honored to be able to provide this fund to our affiliates to meet some of their most critical needs. Until today, we have sent out $500,000 to 66 affiliates. We know this is a small amount. However, because of your hard work, creativity, and dedication, you have been able to do a lot to help your members and other domestic workers.
This is truly teamwork. I thank you for this. And to our allies and funders, I thank you for your support and contribution. Without it, we would not have been able to do this. I can assure you, the IDWF will be always behind you, all our members, to defend our rights and to fight for our rights. We will continue to speak up and let everyone know our stories and our needs and our demands, especially to our employers and to all governments. We will continue to fundraise so that our solidarity fund will grow enough to meet our needs. Our teamwork at national and global level must continue. Together, we will rise up stronger. So today, at this first ever virtual global celebration, we will have a 1 hour, 40 minutes program. And we will start by hearing all the solidarity messages from our allies, our partners, from the ILO, from the IUF, from the Open Society Foundation, and also from the Solidarity Center. And I want to remind those who listen to other languages that if you listen to Thai, you have to turn to the German channel. Go to the German button. For Bahasa Indonesia, it is in the Russian button. For Hindi, Chinese. For Khmer, Japanese. And for Bengal, unfortunately, we experienced some technical problems and our colleague is still trying to fix this channel. And I hope this will be through very soon. Okay, let us now hear the messages from our allies. Millions of domestic workers around the world perform every day for households. COVID-19 has had devastating impacts also on domestic workers. Many have fallen sick, many others have lost their jobs and incomes and do not know whether they will get their jobs back once the pandemic will be over. Many migrant domestic workers have faced the additional challenge of not being able to return home. But all domestic workers have been exposed to the increased risk of violence and harassment. The response to COVID-19 of domestic workers' organization has been truly sensational and inspirational. We have seen how overnight they have started producing masks, delivering foods, and checking in on the health and well-being of other domestic workers. IDWF, through its Solidarity Fund, has certainly helped its affiliates in very important ways by assisting them in responding and meeting these very pressing needs. Since the adoption of Convention 189 on domestic workers already 9 years ago, dozens of countries have extended their labor and social protections to cover also domestic workers. But the pandemic has revealed
the amount of work which still needs to be done. Millions of domestic workers still work informally without benefiting from paid sick leave or unemployment insurance. We should not let COVID-19 erode the gains made thus far or stop us from moving onwards in order to get further improvements to the working and living conditions. You can count on the ILO support to make domestic work decent for all domestic workers around the world. Good luck and have a nice day. Dear friends from the IDWF, I'm honored to send you greetings on this important day, June the 16th, when we celebrate the adoption in 2011 of Convention 189. The development and adoption of the convention came after many years of struggle and lobbying by domestic workers. It's important to recall that the convention stresses both the significant contribution that domestic workers make to the global economy, but also that this work continues to be undervalued and invisible. For me, the COVID-19 pandemic has highlighted that contradiction, the significant contribution of workers that is not recognized or valued by society at large. We see this for many areas, in the health sector, in food production, in the care sector. Workers on the front line now rightly being recognized for their invaluable contribution to fighting the pandemic. But these workers need more than applause. This recognition of their value has to translate into improved conditions and better pay. For many domestic workers, we know that the pandemic has created enormous stress and fear. Fear of exposure to the virus if they continue working, and fear of hunger and not being able to pay their bills if they don't. In countries where citizens have taken solidarity action to establish food banks, we know that domestic workers are among the people depending on these for their survival. It underlines the importance and the struggle that we need to complete to get more ratifications and implementation of Convention 189, so that domestic workers, like other workers, have the protection of social security and furlough schemes. So celebrate today, but get ready to fight tomorrow for more ratifications and for justice for domestic workers. I wish you all a great day. Salam namaste to all my sisters in the International Domestic Workers Federation. I send you regards and greetings and solidarity from all of us at the Women's Rights Program of the Open Society Foundations. We celebrate International Domestic Workers Day. We stand with you. We know that you are the ones on the forefronts of offering care to so many. Vous offrez des soins à tant d'entre nous qui n'ont pas pu vivre des vies de dignité sans le soins que les travailleurs domestiques nous fournissent au quotidien. Vous vous occupez de nos enfants, de nos personnes âgées. Vous maintenez nos vies au quotidien. C'est notre espoir qu'en tant qu'activistes et féministes pour les droits de la femme, que la Fédération des travailleurs domestiques saura que nous serons toujours à vos côtés pendant ce moment de crise, pas simplement pendant la COVID qui a tant aggravé la situation pour nombre d'entre vous. Nous savons que les difficultés auxquelles vous faites face de pouvoir rester en un lieu de calme alors que vous voyez vos famille mise à mal tout en soignant les autres, tout cela vous est très difficile et nous savons que nous avons appris combien les travailleuses domestiques du monde peuvent résister et se battre, pas simplement pour leurs droits, mais leur droit à un monde qui prend soin de nous. Sachez que toutes vos sœurs au programme des droits des femmes avec Marina, Elisa, Joyce, nous sommes à votre côté ce jour de célébration et nous espérons que vous savez que vous pouvez compter sur nous, pas simplement pour cette crise du COVID, mais à plus long terme de pouvoir travailler avec vous et d'accompagner les activités très importantes de la Fédération. Merci, prenez soin de vous.
Christophe Bragason, je suis le secrétaire général. Pendant plus de 10 ans, nous avons apporté notre soutien aux travailleurs domestiques en Europe. Et cette occasion s'est manifestée plus avant. L'importance du secteur des travailleuses domestiques en Europe croît, un secteur qui est dominé par des femmes, et même si leur travail est essentiel, elles ne sont pas toujours reconnues. Ceci est devenu encore plus apparent pendant la pandémie du COVID. Malheureusement, le secteur est dominé par le travail informel. 70% de tous les travailleurs domestiques en Europe n'ont pas des contrats à long terme ou de protection professionnelle. Avec la Fédération internationale, nous nous battrons pour les droits et la protection des travailleuses en Europe. Le 16 juin, la journée internationale nous rappelle que nous pouvons être ensemble et reconnaître la contribution des travailleuses domestiques, et je puis vous assurer que nous sommes à votre côté dans ce combat. Fantastic of holidays. Greetings to my sisters, Myrtle Witboy, President, and General Secretary Elizabeth Tang of the International Domestic Workers Federation. The whole world celebrates with you today. At the Solidarity Center, we're honored to partner with IDWF affiliates in 31 countries, and we stand with you in this time of crisis. We have donated to IDWF's Solidarity Fund, and we urge everyone joining us today to do the same. Brothers and sisters and comrades, we come together today in a most brutal time. We have lost hundreds of millions of jobs and hundreds of thousands of lives. In so many of our countries, the profile of people hardest hit economically and in terms of their health security have exactly the profile of domestic workers. Women, immigrants and migrants, day laborers, indigenous people and rural people and the poor, and people of color. So many of our fellow citizens who live without labor protections and the right to form unions. And they care for the people who are most susceptible to this virus, the elderly and the infirm. But when domestic workers rise up, we all win. In countries like the United States, Brazil, and South Africa, when domestic workers organize, they directly confront racism, xenophobia, and white supremacy. When migrant domestic workers organize, they are often breaking unjust laws and building justice. Our powerful sisters in the Dominican Republic have organized 20,000 domestic workers to register for the social security system, and our comrades in Peru have won minimum wages all in a time of quarantine. When domestic workers organize, we expand democracy, we upend disenfranchisement, raise women's voice and power, and transform all our labor movements. When domestic workers organize, we all win. Thank you for joining us today. Viva IDWF, Amanla! In 2011, 9 years ago, on June 16, the ILO Convention 189, C189, on decent work for domestic workers was adopted by governments, employers, and workers at the International Labour Conference in Geneva, Switzerland. The domestic workers' leaders, including founders of the IDWF, attended the conference, declared that the June 16 will be the International Domestic Workers' Day. Since then, it has been celebrated by domestic workers everywhere in the world every year. Let us watch this film, a short documentary on how the C189 was adopted
at the ILO on June 16, 2011. And it will be followed by Myrtle Beboy, our president, who will remind the government all their unfinished business. They have to ratify and implement the C189 now. Plus de 100 millions de femmes travaillent comme des travailleuses domestiques. Nous n'avons pas encore atteint le bout du chemin et nous n'allons repartir sans la convention. Je travaille à temps plein comme travailleuse domestique. Il a fallu des années pour parvenir à ce stade. C'est une réalisation capitale et nous allons tirer parti du secteur informel. Il faut donc que le secteur informel lutte contre le capital. Nous travaillons avec les femmes de la Fédération internationale pour mettre au défi les gouvernements, les employeurs et leurs sociétés pour assurer une protection de base pour ce groupe marginalisé. Nous vous remercions, nous vous demandons votre solidarité. Nous avons besoin d'une loi équitable qui va défendre notre travail qui est très important dans nos sociétés. S'il vous plaît, aidez-nous, la Fédération internationale des travailleuses domestiques, pour assurer la ratification internationale de la 100e convention de l'Organisation internationale du travail. Ahmadiyya, Awatul Ahmadiyya, viva, viva, viva. Ma mère était une travailleuse domestique, mon père était jardinier, c'est pourquoi je milite, je milite, je milite. Bonjour. Frères et sœurs, dans la lutte des travailleurs domestiques, je m'adresse à vous depuis l'Afrique du Sud. Aujourd'hui, ce sera 9 ans que nous avons gagné la ratification de la Convention 189, mais nous sommes isolés et nous sommes en confinement, mais nous pouvons utiliser Skype pour faire porter nos voix et nous pouvons faire plein de choses avec nos voix. Donc cette année, le 14 juin, puisque de nombreuses travailleuses domestiques travaillent avec respect de par le monde, nous exhortons tous les travailleurs domestiques du monde à se rassembler pour militer, de faire porter leur voix pour que les gouvernants du monde nous entendent. La Convention 189 est la nôtre. Nous l'avons gagnée le 26 juin 2016. Nous avons gagné, nous avons obtenu notre dignité, notre respect ce jour-là. Donc, on ne peut pas laisser la Convention 189 entre les mains des patrons et des États. Nous devons
l'utiliser. Donc aujourd'hui, nous allons dire à nos gouvernements que nous voulons la ratification de la Convention 189 cette année également, puisque nous sommes en confinement. Occupons-nous de nous-mêmes, restons en sécurité. Il est également essentiel de porter des masques, de garder les gestes de précaution et de distanciation. Notre lutte est loin d'être terminée. Je vous salue tous. Je salue la Fédération internationale pour ce qu'elle a fait pour les travailleurs dans le monde. À l'occasion du 9e anniversaire de l'adoption de la Convention. Je souhaite joyeux anniversaire à tous les travailleurs et travailleuses des mondes. Nous savons tous que cette pandémie du coronavirus ravage dans le monde entier les travailleurs domestiques qui sont touchés.
respectons les mesures barrières, respectons les consignes des agents de santé en se lavant régulièrement les mains, en portant les masques et éternuer dans le coude, en respectant la distanciation. Chers camarades, joyeux anniversaire de plus. Merci à la Fédération internationale des travailleurs domestiques. Le coronavirus ne passera pas par moi. Je dis stop au COVID. Merci. Nobelido Paliso du COMEX IDWR Nazi pour célébrer la journée, pour commémorer l'action de nos dirigeants très forts en réponse aux besoins de nos membres pendant la pandémie de la COVID. Des bases solides ont été posées en organisant notre communauté pour mieux se protéger. Toutefois, il y a encore de nombreux défis devant nous. Nous restons exclus de la protection de l'État puisque nous ne sommes pas reconnus comme des travailleurs. Nous devons travailler la main dans la main pour nous battre pour les droits et la reconnaissance que l'on mérite et de ratifier la Convention C-189 et 190. Très bon anniversaire à toutes et à tous. Les travailleurs domestiques en Asie ont été fortement impactés par la pandémie de la COVID-19. 85% des travailleurs domestiques qui ne sont pas payés pendant le confinement. Et nous, les travailleurs domestiques se sentent oubliés pendant la crise de la COVID-19. Très vulnérable. La Malaisie arrête des centaines de migrants dans cette dernière rafle pendant le confinement. J'ai été licencié par mon employeur. Mes charges de travail ont doublé puisque l'on doit rester, mes employeurs restent à la maison. Plus de nettoyage, de soins à prodiguer. Que font nos fédérations? Eh bien, nous avons levé des fonds d'urgence. 3 000 des membres les plus vulnérables reçoivent de l'aide. Anywhere beneath the sun, yet what force on earth is weaker than the feeble strength of one? But the union makes us strong. Solidarity forever, solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us strong. It is. Protégeons des emplois en donnant à nos membres des équipements de protection. Aujourd'hui, nous allons discuter des mesures dans le contexte de la COVID-19 pour améliorer les conditions de protection avec le port du masque pour améliorer notre protection et les mesures barrières. Pendant le confinement, nous pouvons continuer à nous organiser par les plateformes. Pas oublier, une célébration virtuelle apporte un soutien à des travailleuses domestiques qui ont rejoint cette manifestation organisée par l'organisation humanitaire Hope. Ceci s'est tenu pendant 2 heures en Indonésie. Nous portons nos voix au gouvernement des séances de travail, la Commission pour l'égalité des chances. Nos revendications, nos espoirs. Améliorer le sort des travailleurs domestiques de par le monde. Thank you.
Arrêter la discrimination et le racisme, défendre les travailleuses domestiques. We bring the greater days. The rising of the women means the rising of the race. No more the drudge and idler, tend that toil where one reposes, but a sharing of life's glories, bread and roses, bread and roses. Okay. Welcome to our panel discussion. Bienvenue à notre table de ronde. Le thème de cette table ronde, c'est d'émerger plus fort de la crise. Comme vous l'avez entendu et vu ces dernières minutes, nos travailleurs domestiques, nos fédérations n'ont pas resté silencieux pendant cette crise et ont rappelé au gouvernement d'inclure les travailleurs domestiques dans leur politique d'aide et d'accompagnement dans les mesures de santé. Nous avons parlé à nos membres, suivi leurs besoins, les enjeux auxquels ils font face. Nous avons recueilli des données et nous avons offert des abris. L'IDWA a créé un fonds de solidarité pour aider nos fédérations à faire une bonne partie de leurs tâches critiques. Donc, aujourd'hui, où nous célébrons ce jour de la Fédération internationale, entendons nos dirigeants et Maria Clark Walker qui, ensemble, nous allons échanger, rassembler nos idées et émerger plus fort de la crise. Je vais vous présenter les intervenants. Tout d'abord, Myrtle Mabuye, notre présidente de l'IDWF. Elle est également secrétaire générale de l'Union sud-africaine des travailleurs domestiques. Ensuite, Carmen Bridges, qui est notre vice-présidente, qui est également secrétaire générale de l'organisation UPAC en Argentine. Troisième intervenant, Maria Clark Walker, que je viens de présenter, qui est secrétaire trésorière de la Fédération du travail canadien, également présidente du comité des femmes ITUC. Dernier intervenant, Novalita Palazzo, qui est notre membre du COMEX, qui est également présidente de l'Union des travailleurs domestiques des Philippines. Malheureusement, en raison de la mauvaise météo aux Philippines, qui a été frappée par un typhon hier, elle a quelques difficultés à rejoindre notre conférence. Des tentatives sont en cours et j'espère qu'elle pourra nous rejoindre avant la fin de ce webinaire. Alors, je salue
la première intervenante, Myrtle Whipple. Chaque intervenant s'exprimera pendant 4 minutes et après cela, nous regarderons les questions et les commentaires et nous inviterons tous les intervenants à réagir. Je vous demande donc d'envoyer vos questions, vos commentaires sur le chat. Vous pouvez les envoyer par le chat et ensuite nous demanderons aux intervenants d'y répondre. Myrtle Whipple, vous avez la parole. Myrtle, nous ne vous entendons pas. Non, Myrtle, on ne vous entend pas. Alors, il y a un problème avec le micro de Myrtle. En attendant que Myrtle règle son petit souci technique. Non, Myrtle, on ne vous entend pas malheureusement. On va peut-être passer à l'intervenant. Bien, Laura, il y a la traduction dans un instant. Internacional de Trabajadoras del Hogar y a todas las compañeras y socios y amigos que han trabajado con todos nosotros para poder tener nuestro convenio 189. Escucho muchas voces de diferentes compañeros. Bueno, voy a seguir. Bueno, la realidad es que en este momento tan importante que estamos pasando todas las trabajadoras domésticas del mundo en esta crisis de la pandemia de COVID-19, estamos en un momento donde se ven donde las trabajadoras domésticas visibilizan a nuestro sector la necesidad que tenemos de que cada uno de nuestros estados visibilice a nuestro sector como trabajador. Por otro lado, necesitamos realizar. Perdón, no puedo hablar porque es un ruido muy fuerte lo que. No puedo seguir hablando, no me puedo. Ahora sí. Bueno, vuelvo a empezar, perdón, disculpen, pero no se podía escuchar, no me podía escuchar yo misma porque había un ruido muy importante. Bueno, voy a volver a empezar porque no sé qué pasó. No se puede hablar. ¿Hay alguien que tiene el micrófono? Sí, ¿ahí? ¿Me escuchan? Ok, bueno, quiero felicitar a todas las compañeras y compañeros trabajadoras domésticas del mundo entero en este día tan especial, que bueno, va a ser recién el 16 de junio, los 9 años de nuestro convenio, que tanta lucha tuvimos para poder lograrlo y trabajando en equipo y en unidad. Felicitar a todo el equipo
de la Federación, tanto el ejecutivo como el técnico, por todos estos videos, por todo este sacrificio que estamos haciendo por el webinar. Y obviamente, Mary Claire Walker, muchas gracias por estar, fuiste y sos una persona muy importante para nosotros dentro de la OIT, porque llevaste también este año la voz de los trabajadores en el convenio 190. Así que muchas felicitaciones y agradecida siempre todas las trabajadoras del hogar. Por otro lado, decirles que desde América Latina y el Caribe hemos luchado en este momento de crisis para la visibilización de nuestros sindicatos y de las necesidades que tienen nuestras compañeras, como por ejemplo realizando movilizaciones en base para brindar las ayudas humanitarias con muy pocos recursos, porque también muchos de nuestros socios y amigos han participado en esta movilización. Cómo los sindicatos fueron liderando en la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar, de qué manera toda Latinoamérica y el Caribe fue, y a nivel mundial también esto pasó con todos nuestros socios, nuestros afiliados de la Federación, luchando por la defensa de los trabajadores. Cómo se fueron organizando las estrategias y las acciones coordinadas a nivel regional, cuida quien te cuida, intercambios de experiencias y aprendizaje y apoyo mutuo entre los sindicatos y todos nuestros países, la incidencia política y el diálogo social que fuimos realizando con cada uno de nuestros estados, pero sí creo que hoy a nivel mundial las trabajadoras domésticas hicimos escuchar nuestras voces, hicimos visibilizar nuestras organizaciones, hicimos jerarquizar y decir que todas somos trabajadoras como cualquier otro trabajador, que el sector de trabajadoras del hogar es un sector del cuidado, es un sector que tiene que ser reconocido como trabajador, no solamente en una parte del mundo, sino en todo el mundo. Y eso es la lucha que tenemos de acá hacia adelante para seguir luchando y luchar por nuestro convenio 189, que no solamente sea ratificado en los países que faltan, sino que en los países que ya fueron ratificados sean implementados. Muchas gracias. Okay, thank you. Merci pour des raisons techniques. Il faut que Mariella assure l'interprétation en anglais. Mariella, à vous.有啲人聽到，有啲人聽唔到，但有啲人頭先聽到翻。 Mariella. Yes, can you hear me now? We hear you. Oui, alors Mariella, très bien. Ah, on ne vous entendait pas. Je vais donc résumer ce que dit Carmen. Alors, elle a tout d'abord remercié Myrtle pour son travail en tant que présidente, puisque son action a été très importante pendant toute cette crise pour
Elle a travaillé en permanence pour défendre les travailleurs domestiques. Cette pandémie touche les travailleurs domestiques à l'échelle mondiale et tous les efforts consentis par la Fédération ont été de donner une voix pour reconnaître le travail des travailleurs domestiques, pas simplement en Amérique latine, mais partout dans le monde. Et ce travail de fédération, de porter les voix des travailleurs, et elle souligne que pour tous les pays, ceux qui ont déjà signé la Convention 189 doivent appliquer la Convention, et elle invite instamment les pays qui n'ont pas encore ratifier la Convention 189 de le faire et de faire entendre les voix des travailleurs domestiques. Et nous nous occupons de ceux qui s'occupent de nous. Elle salue le travail de la Fédération et toutes les fédérations affiliées à l'IDWF. Très bien. Très bien. Merci, Mariella. C'est un message extrêmement puissant de Carmen qui souligne l'importance qu'il y a à ratifier et mettre en œuvre la Convention 189. Je donne à présent la parole à Maria Clark Walker. Vous avez la parole. Can folks hear me? Est-ce que vous m'entendez? Tout d'abord, je tiens à remercier et dire très bon anniversaire des travailleurs domestiques à l'échelle mondiale. J'espère que vous m'entendez. J'avais quelques petits ratés avec mon micro. Donc, je vous souhaite un très bel anniversaire. C'est la première occasion qui m'est offerte de vous remercier tous pour l'énorme travail que vous avez accompli sur la Convention 190. Sans vous, nous ne serions pas là aujourd'hui. Je tiens à remercier Elisabeth et Myrtle qui m'ont convié et de saluer le travail que vous faites au quotidien pour défendre les droits des travailleurs domestiques et de mettre ça comme une priorité visible. C'est un moment très difficile pour nous tous, avec une pandémie mondiale, avec un racisme et des gens que l'on ne s'attendrait pas à voir à célébrer au nom des vies noires. C'est très important pour les travailleurs domestiques dont la majorité est racialisée, peuvent nous parler de la violence, du harcèlement, y compris le racisme et la discrimination qu'ils rencontrent au quotidien. Et on sait que ça a progressé avec la COVID-19. Donc, les défis sont nombreux. Comme vous pouvez l'imaginer, ça dépend de plusieurs facteurs. Certains sont éloignés de leur famille, ne savent pas où résider ou dans d'autres pays sans famille, sans amis qui travaillent, sans être payés puisqu'ils habitent sur leur lieu de travail. Certains sont piégés dans des situations inextricables avec leurs harceleurs. On sait que les travailleurs domestiques sont sur le front de cette pandémie. Ils s'occupent de nos enfants, des personnes âgées, des handicapés, souvent au péril de leur vie, pour préserver les autres. Dans les grands pays développés, il reste difficile pour certains travailleurs d'obtenir des équipements de protection. Imaginez donc la situation dans des pays où il n'y a pas d'accès à des mesures de protection avec des gestes barrières et de la distanciation. Les pays sont également exclus des mesures de protection pendant la pandémie, ne sont pas éligibles pour les programmes d'aide mis en place.
Donc, nous faisons face à d'énormes difficultés. Souvent, ils ont été licenciés, ils ne peuvent pas payer leur loyer, ils sont sans abri, bloqués dans des pays à l'étranger. Ceux qui ont besoin de médicaments ne peuvent pas les payer. Donc, c'est un stress supplémentaire qui exacerbe des soins, des soucis de santé. Pour ceux qui sont éloignés de leur famille, eh bien, les familles souffrent, ne reçoivent pas d'argent. Dans certains pays, il y avait beaucoup d'aide pour les travailleurs, mais dans la majorité des pays, pas tant que ça. Tout ceci est lié à un isolement social avec de nombreux qui ont le sentiment qu'ils ne sont pas soutenus par leur employeur. Nous savons que la pandémie n'est pas neutre du point de vue du genre. La plupart des pays et des travailleurs qui sont jugés essentiels sont des femmes, alors que c'est la norme de parler d'eux comme les héros de la COVID. Ils sont sous-payés et dépréciés depuis pas mal de temps avec la COVID. En l'absence de soins universels, on parle de ce double fardeau, c'est-à-dire que les femmes vont travailler et reviennent travailler à la maison. C'est devenu un fardeau triple ou quadruple. Les enfants sont à la maison avec le confinement. Les parents sont devenus des enseignants et également jouer avec les enfants en plus de leur travail. C'est une charge supplémentaire. Je pense que la COVID a exposé les problèmes dont nous avons parlé pendant des décennies. On ne peut pas revenir à la situation qui existait avant. Nous pensons que les travailleurs domestiques, les travailleurs en général, méritent mieux, un meilleur salaire, meilleure prestation, meilleure protection, meilleure retraite, meilleur traitement. Le moment est venu d'opérer ce changement. Le monde regarde, le monde écoute. Nous sommes tous coincés devant des écrans, qu'il s'agisse de nos téléphones ou de nos écrans d'ordinateur. Ah non, après avoir négocié cette remarquable convention de l'OIT, des leçons doivent être apprises. On entend des choses troublantes qui se déroulent sur le front aux travailleurs domestiques et d'autres sur le front. Le nombre de harcèlements des travailleurs de transport qui se font cracher dessus, agresser, et d'autres travailleurs qui doivent vivre dans leur voiture tout simplement parce que leur famille ou leur bailleur ne souhaite pas qu'ils restent chez eux s'ils sont exposés à la COVID. Il y a plein de choses qui se passent actuellement. Il nous faut un changement désormais. Ce qui doit devenir la nouvelle normalité, c'est certaines des choses qu'ils ont pu mettre en place rapidement dans le pays avec un revenu garanti, des équipements de protection sont mis à disposition. Ça doit devenir le nouveau normal qui est un prisme et une analyse mis sur l'après-COVID qui doit véritablement être au centre de l'équation et les travailleurs doivent être à la table. Les gouvernements, les employeurs ne peuvent pas négocier seuls. Les travailleurs doivent être représentés. Les changements positifs opérés pendant la pandémie doivent devenir cette nouvelle normalité. On parle de la solidarité à jamais. La chanson dans la vidéo, cela nous rappelle que sans nous, pas un seul rouage ne pourra tourner. Il faut donc prendre cette même position pour tous les travailleurs. Il n'y a pas de soins pour les enfants, des soins de santé, pas d'éducation, personne pour s'occuper des personnes âgées, des malades, pas de travailleurs domestiques. Nous devons rappeler au monde que sans nous, le monde ne tourne pas. Chaque travailleur doit avoir cette protection. Sorry, sorry, please. So, in order to move forward, donc, pour aller de l'avant,
il y a des choses qui doivent se passer. On doit exiger une protection sociale universelle et un investissement pour tous dans l'économie du soin. C'est très important. Exiger une protection de santé, un traitement égal avec les employeurs, accès à des systèmes de santé qui comprend aussi la santé mentale. Ça, c'est extrêmement important. Veiller à ce qu'ils aient cette protection et que les services, que tout cela reste disponible avant et après. Et nous devons exiger que tous les pays, la Convention 189 et 190, des compliments à vous tous, à la Fédération. J'adore cette campagne. Occupez-vous de ceux qui s'occupent de vous. Pour ceux qui écoutent, écoutez, vérifiez cette campagne. Le monde ne peut pas fonctionner sans que l'on travaille ensemble. Et très bon anniversaire. Merci Maria Clark pour votre solidarité. Merci de nous avoir rappelé. Et le combat devant nous. On va entendre notre présidente, Myrtle Werboy. J'espère que le son est revenu. Myrtle, vous avez la parole. Myrtle, we cannot hear you. Myrtle, on ne vous entend pas. Désolé, Myrtle, on ne vous entend pas. الميتينغ عن probably إذا بدأ أن يلانيا تدفع معنا أو لازم نحل من الضمة أو هيك شيء. Myrtle, we cannot hear you. Impossible de vous entendre, Myrtle. Is Novi here? Novi est là. Novi. Notre dernier intervenant, vous êtes là? Novi essaie de nous rejoindre, mais puisque en raison de la mauvaise météo, elle a peut-être Okay. Ah, Novi est là. Alors, Novi, vous avez là. Oh, as you can see in the video, how we organize our. Vous voyez dans la vidéo comment nous organisons la phase. Pour les adhérents, les dirigeants peuvent réagir aux besoins de tous nos membres, mais d'abord, on a des difficultés auxquelles on fait face, la distanciation sociale, mais on montre effectivement qu'ils sont appréciés. Ça, c'était important. On peut les appeler par téléphone, Facebook, messager et rappeler comment ils font face à la situation et comment nous pouvons les aider. Les dirigeants de la communauté mènent des actions de formation pour apprécier
et s'occuper les unes des autres. Les Asiatiques sont clairement solidaires et peuvent s'aider mutuellement, mais la chose la plus importante, c'est de passer par les médias sociaux pour communiquer. Chaque fois qu'il y a un problème, on peut les aider par des petites contributions financières. Il s'agit d'arrêter le racisme aussi et de sensibiliser nos besoins. Pour conclure sur ce point, il faut absolument assurer une meilleure cohésion entre les travailleurs domestiques. Merci, merci Novi pour cette contribution. Je sais que c'est extrêmement difficile chez vous en raison de la très mauvaise météo avec l'arrivée du cyclone, du typhon qui a frappé les côtes des Philippines hier. Alors, Myrtle, je renouvelle mon appel. Est-ce que bon, merci pour ces contributions. J'invite ceux qui ne sont pas exprimés. Alors, s'il vous plaît, désactivez vos micros si vous ne vous exprimez pas. On a entendu donc tous les intervenants dire l'importance qu'il y avait à ratifier, à mettre en œuvre la Convention 189 et 190. La pandémie nous a permis de comprendre qu'il y a tant d'injustices, de déni de droits aux travailleurs domestiques notamment. Nous faisons face à des défis, pas simplement en tant que travailleuse, mais en tant que mère, en tant que femme, en tant qu'épouse. Et cela nous rend plus vulnérables puisque nous partons d'une position de faiblesse sans protection sociale, sans soins de santé et sans salaire minimum et des prestations de chômage. Le moment est venu, une fois de plus, de rappeler aux États leurs obligations. Nous méritons cela, nous méritons un meilleur traitement et une meilleure protection. Je voudrais entendre des intervenants comment nous autres travailleuses domestiques, ce que nous pouvons faire pour obtenir la ratification de ces deux conventions. Novi, dans sa brève présentation, nous a donné quelques pistes. Pendant la crise, sa fédération essaie effectivement de mobiliser ses membres et comment il y a ce sentiment d'appartenance au sein de la communauté. Cela fait partie de notre action et pourrait être une piste à creuser à ce moment et de préparer notre fédération à émerger plus fort après la crise. Je vais demander à Carmen, à Maria Clark et à Novi de dire un mot à ce propos, ce que notre mouvement devrait faire. Carmen, à vous. On aura la traduction après. Convenio 189, lo que debemos hacer es llegar a un diálogo social con el Estado, porque el Estado es el que tiene que ratificar, el Estado es el que tiene que aplicar nuestro convenio y nosotros tenemos que defenderlos. Son los gobiernos, efectivamente, que deben asegurar la ratificación y mener, nous devons mener des actions concrètes pour obtenir la ratification et la mise en œuvre.
il faut absolument obtenir la ratification et l'application de ces conventions. Merci. Mariella, bon, vous pouvez peut-être traduire. Oui, les gouvernements sont ceux qui doivent ratifier la Convention 189 et nous devons continuer à faire campagne, mais il incombe au gouvernement de mettre en œuvre la Convention de 189 alors que nous poursuivons notre travail de mobilisation. Maria Clark, à vous. Maria, à vous. Ah, j'avais pas le son. J'ai pas entendu la traduction du propos de Carmen, mais en fait, j'ai pas entendu la traduction de Carmen par Mariella. Oui, je vais l'inscrire dans le chat. Comme ça, tout le monde pourra suivre. Je pense donc à la fois Elizabeth et Naufi ont abordé des sujets qui doivent aboutir. Il est très important pour que les communautés, que les pays restent en contact les uns avec les autres. Nous savons que lorsque nous faisons face à des situations telles cette pandémie, aussi les troubles ratio à l'échelle mondiale, même si ça a démarré aux États-Unis, il y a des cas partout dans le monde. Il est donc important de garder le contact et de rester en sécurité, mais il importe de veiller à ce que d'autres dans le mouvement du travail, ça c'est ce qui est important pour les travailleurs domestiques, et défendre leurs droits. On ne fait pas ça seul, on doit agir de façon solidaire. Le moment est venu de parler à nos employeurs, ceux qui constatent ce qui se passe sur le terrain et qui éprouvent une sympathie, une empathie pour qu'ils poussent les gouvernements, les États à opérer les changements qui sont nécessaires pour assurer notre sécurité. La pandémie a tout bouleversé. Ça a montré que les gens ne peuvent pas survivre sans certaines catégories de travailleurs, dont les travailleurs domestiques, s'ils comprennent, ils vont également rejoindre cette impulsion pour que toutes les politiques, les procédures qui sont nécessaires pour assurer la sécurité des travailleurs domestiques, qu'ils soient bien payés, productifs, tout cela soit mis en place. Merci, Maria Clark, de nous avoir rappelé que la solidarité est le maître mot. Encore un point, Elisabeth, si je puis me permettre. Nul ne sait ce que sera cette nouvelle normalité. On sait à quoi ça devrait ressembler. Personne ne sait. On ne sait pas s'il y aura un rétropédalage. Quid de la distanciation sociale? Tout ça a un impact sur les travailleurs domestiques. Si on ne sait pas ce que ça va donner, comment savoir comment travailler, comment avoir une distanciation sociale lorsque vous devez nourrir une autre personne, s'occuper d'une personne âgée ou qui est handicapée. Ces gens ont besoin de se toucher, de ce contact humain. Si vous ne pouvez pas le faire dans la nouvelle situation normale, comment travailler correctement? Ce sont les points qui doivent être abordés. Il faut réfléchir à cela en tant que mouvement. Merci, Maria. Myrtle nous a rejoint. Bienvenue, Myrtle. On vous écoute. Faites-nous part de vos réflexions pour mieux ressortir plus fort de la crise de l'après. Myrtle, vous êtes là, vous nous entendez, on vous voit, mais on ne vous entend pas. Myrtle, can you hear me? Myrtle, est-ce que vous m'entendez? Moi, je vous vois, mais je ne vous entends pas.
Myrtle, we cannot hear you. Is Nomi still here? Nomi, vous êtes toujours. Noe is here. Noe, you want to give us souhaitez-vous nous faire part de vos réflexions quant aux prochaines étapes pour raffermir, renforcer notre mouvement. Avec la pandémie, effectivement. Experiencing right que now. Nous vivons actuellement. Malheureusement, le son est extrêmement haché, décousu. Alors, il faut effectivement obtenir la ratification de l'adoption de la Convention avec la violence qui pèse sur les travailleurs domestiques. Et la Fédération en Asie doit travailler d'arrache-pied afin d'impulser les États à être mieux à même de reconnaître que le travail domestique est primordial, est essentiel et déterminant. Et la Fédération internationale des travailleurs domestiques peut s'aider mutuellement à accompagner chaque fédération à ratifier les deux conventions C189 et 190. Merci, merci Nomi. Alors, je ne vois plus Myrtle en ligne. Désolé, nous avons quelques petits problèmes techniques. Compte tenu de l'horaire, nous devons arrêter nos questions-réponses. Myrtle, n'hésitez pas à revenir vers nous si vous arrivez à faire fonctionner votre micro. Nous passons donc à la partie suivante. On voit donc les présentations régionales des autres régions des Caraïbes, de l'Europe, également de l'Amérique latine et du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Et nous entendrons également les autres membres du COMEX et des alliés avec leur message de solidarité. Regardons maintenant la vidéo des régions Caraïbes. The COVID pandemic has made life extremely difficult for domestic workers. Already, domestic workers were insecure and vulnerable. So now, les travailleurs domestiques étaient déjà vulnérables avec la crise économique combinée avec la crise sanitaire. La pression ne fait que s'accroître. Certains ne sont même pas payés et d'autres sont bloqués
chez eux, bien sûr. Il y en a qui doivent s'occuper en même temps de leurs enfants. Alors, ce qui se passe avec ces travailleurs domestiques, c'est qu'ils travaillent de longues, longues heures et ne peuvent pas quitter le logement de leur employeur, sans quoi ils seront licenciés et sont donc obligés de travailler pendant de longues heures. C'est le travail forcé. Dear domestic workers worldwide, 16th of June 2011. Le 16 juin 2011 reste une journée mémorable grâce à l'OIT et la Convention 189, puisque ça a sorti de l'esclavage les travailleurs domestiques. Nous nous sommes rassemblés avec des programmes analogues pour lutter contre la discrimination, l'exploitation, mais également avec le même espoir de respect, de reconnaissance et de liberté. Nous travaillons ensemble pour lutter, s'accompagner à l'échelle mondiale et plus que jamais face à la pandémie avec ce virus. Les comptes rendus que je reçois des comités en Inde sont véritablement difficiles en termes de conditions de travail et de ces travailleurs domestiques qui ont très peu de chances de surmonter cette crise sans aide. Et les initiatives que les travailleurs domestiques partout en Amérique latine, en Afrique, en Asie prennent pour s'occuper les unes des autres sont spontanées et créatives, accompagnées par des travailleurs et des amis de par le monde, de partout. Et cette solidarité internationale donne de l'espoir. Vous, les travailleurs domestiques, vous inspirez, vous encouragez tout un chacun. On peut donc célébrer cela le 14 juin, un dimanche, ensemble, et se remercier, remercier nos dirigeants, nos amis, nos soutiens et la Fédération internationale des travailleurs domestiques, l'OIT, et que le 16 juin 2020 soit une journée de célébration à tous. La situation des travailleurs domestiques et des employés de maison a été redoutable. En Belgique et autour du monde, les travailleurs domestiques ont été sur le front, s'occupant des gens dans le besoin, en même temps prenant le risque d'être infectés avec des informations contradictoires et absence d'équipement ont exacerbé la situation. Les mots ne suffisent pas pour exprimer notre gratitude aux travailleurs qui, au quotidien, ont dû continuer leur travail, proposer leurs services, aider, accompagner les familles, les enfants, les personnes âgées et les malades. Qui plus est, les travailleurs domestiques font face à d'énormes difficultés financières. Le gouvernement belge, par exemple, a fourni une subside d'urgence pour compenser le perte de revenus pour ceux qui n'ont pas pu travailler en raison de la crise du COVID. 70% du salaire était versé. Toutefois, la plupart des travailleurs domestiques ne peuvent pas faire face à des besoins avec seuls 70% de leur salaire qui est déjà sous-payé. Leur choix était de continuer à travailler et d'exposer leur vie ou la pauvreté. Bien sûr, les travailleurs domestiques ne survivront
pas une deuxième vague au plan financier, vont se retrouver à la rue, perdront leur emploi, ne pourront pas nourrir leurs enfants. C'est pourquoi nous demandons à ce que soit les employeurs continuent à verser les salaires des travailleurs domestiques ou que les États prennent des mesures pour subventionner la perte de revenus, pour épargner ceux qui nous permettent de maintenir notre économie, notre système. À tous les travailleurs domestiques, vous êtes de véritables héros. Merci du fond du cœur. Nous avons besoin de vous. Nous vous aimons. Nous devons rester solidaires. Plus que jamais, l'union fait la force. Nous devons exiger nos droits en tant que travailleurs. La Convention 189 doit être reconnue et appliquée. Viva les travailleurs domestiques, viva l'IDWF. We left our own country and took a chance to work in foreign land. We choose to take a risk than die in hunger in our own country. We sacrifice, we struggle, we work hard because we want a better future for our family. We met in the voice of domestic workers. We came from different countries. At first, we were strangers, but we took the same journey and eventually became a family. We listened to each other's story, then our burden became lighter, and we wished for each other success. We set aside our worries. Do not despair. Just like the inevitable COVID-19 pandemic, despite our anxiety and depression, we smile as in we are okay. Even we are not, for our family not to worry. Being in the voice of domestic workers, we can depend each other. Together, we search for ways to overcome our isolation and vulnerability. We demand the same rights as other workers have. Migrant domestic workers, as carers, the children, the elderly, and household managers are key workers too. Without us, who can go to work? We value our work with love and dedication, and we want the same respect and recognition. No to exploitation, yes to workers' rights. We are workers. I made this poem for the voice of domestic workers. It says, why domestic work is a decent work, and why domestic workers are workers. I'm Wendy, originally came from Philippines. Années pour un salaire minimum horaire de 14 euros dans le secteur des aides ménagères titres services. Les barèmes viennent d'être indexés, mais après 4 ans d'ancienneté, l'évolution salariale est bloquée et on frôle seulement les 12 euros. Les temps partiels sont largement majoritaires dans notre secteur. Dans ces conditions, avoir un emploi n'est pas une garantie contre la pauvreté.
La crise sanitaire nous l'a confirmé. 14 euros de l'heure est le minimum pour que tout le monde puisse mener une vie digne. Des moyens financiers existent et la FGTB va les trouver. C'est 14 euros, nous les aurons. Soy Carmen Brites, vicepresidenta de la Federación Mundial de Trabajadoras del Hogar y representante de la UPAC Argentina. En este día tan especial, quiero dejarles una felicitación a todas las compañeras y compañeros que hemos luchado por la adopción y la ratificación del Convenio 189 y su Recomendación 201. También decirle que desde la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar estamos realizando un fondo y recaudación solidaria para todas nuestras compañeras de los sindicatos que están sufriendo en esta crisis del COVID-19. Por eso pedimos que te sumes donando a la Federación para el apoyo a todas nuestras compañeras de trabajadoras domésticas del mundo entero. Cuida a quien te cuida. Esperamos tu ayuda. Soy Lorenza Benítez de Gómez, secretaria general de UPAC. Felicito los 10 años del convenio 189 y deseo mucha felicidad a todas las compañeras que estuvo con nosotras y que seamos felices todas, sigamos adelante el trabajo, no bajemos los brazos. A FENATRAD se orgulha de ter participado da conquista e da aprovação da Convenção 189. Trabalho decente para as trabalhadoras domésticas do Brasil e do mundo. Compañeras desde Perú, reciban un fraternal saludo del Centro de Capacitación para Trabajadoras del Hogar. En este significativo día para nosotras, donde renovemos el compromiso de lucha por la defensa de nuestros derechos en el marco del Convenio 189. Adelante en nuestra lucha. ¡Que vivan las trabajadoras del hogar! ¡Que vivan! Hola, mi nombre es Francia Michelle Blanco. Soy secretaria de Relaciones Internacionales de la Federación de Trabajadoras Domésticas de Nicaragua, FETRADOMOR. En estos tiempos de pandemia, las trabajadoras del hogar estamos más unidas, más fuertes, más solidarias. ¡Viva el Convenio 189 de la OIT! ¡Vivan las trabajadoras del hogar de América Latina y del mundo! Saludos a las trabajadoras del hogar del mundo y de la FIT. El COVID se han violado nuestros derechos. Nos han despedido y sin salario. El Convenio 189 defiende a las mujeres empleadas del hogar. Desde El Salvador, Aida Evelyn Rosales, secretaria general del SINUTRES. Un saludo a todas las compañeras guerreras, trabajadoras del hogar remuneradas, a 10 años que se aprobó el convenio 189 de la OIT, y a seguir en la lucha para que nuestros derechos sean visibilizados, juntas y unidas. Soy Marilu, colegiada de SINACTRAO, México. Les mandamos un saludo a todas las compañeras del mundo. Convenio 189, trabajo digno. Compañeros y compañeras, desde Panamá les habla Yadira Samaniego, secretaria general del SINGETRA.
para enviarles un caluroso saludo en el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. En estos momentos de pandemia, es necesario exigir a nuestros gobiernos el cumplimiento del convenio 189. Seguimos en la lucha. Secretario General de Cintura Nicaragua, un saludo a todas las trabajadoras del hogar del mundo en nuestro día. Y el convenio 189 vino a fortalecerlo para defender nuestros derechos como trabajadores. Hola compañeras, ¿cómo están? Reciban un cordial saludo del Sindicato Nacional de Trabajadoras del Servicio Doméstico de Colombia, Sintracedom. Quiero felicitar a la FIT por la defensa de los derechos de las trabajadoras del hogar a nivel mundial. Desde Perú, el Sindicato de Trabajadoras y Trabajadoras del Hogar de la Región Lima, Sintraol, manda un fraterno saludo a la Federación Internacional de Trabajadoras del Hogar en el Día de la Trabajadora del Hogar. Esperamos la implementación del convenio ya. Desde Sintradi, Paraguay, le enviamos un saludo enorme a todas las trabajadoras del hogar del mundo por el Día Internacional. Muchísimas felicidades a todas. Mi nombre es Lilia Marrero, pertenezco a FENAMOTA. También soy secretaria general del Sindicato de Trabajadoras Domésticas, UFETRAN. Desde República Dominicana les extendemos un cordial saludo a todas las trabajadoras domésticas en su día. Gracias a todas las trabajadoras domésticas del mundo que a pesar de todas las adversidades unidas hemos podido lograr lo que nunca hemos pensado. ¡Se puede! ¡Sí se puede! ¡Su, su, su! ¡Su, su, su! ¡Su, su, su! ¡Su, su, su! All migrant domestic workers are entitled to equal protection. Ratify, implement Convention 189. Et mettre en œuvre la Convention. On a tous les mêmes droits. Donnez-nous nos droits. Arrêtez les abus, mettre un terme au suicide. L'union fait la force, les vies comptent. Un pour tous, tous pour un. Abolir l'esclavage. Au nom de l'Union des travailleurs domestiques à la région du Moyen-Orient, nous cherchons à défendre nos droits à l'échelle mondiale et les migrants éco-cata. Merci de nous avoir inspirés à travailler ensemble et nous saluons tous les travailleurs migrants partout dans le monde. I rise and fall, yet through it all, this much remains. I want one moment in time, when I'm more than I thought I could be, when all of my dreams are hard, and the answers are rolled up through me. Give me one moment in time, when I'm racing with destiny. Together, we are stronger. Ensemble, nous sommes plus forts. En tant que travailleurs domestiques, c'est notre responsabilité de se protéger, savoir ce qui se passe autour de nous, surtout pendant la situation que nous connaissons actuellement avec la pandémie du coronavirus qui menace notre sécurité. Ensemble, nous sommes plus forts. J'ai bien profité de ma journée de congé qui est chez moi. Merci de suivre et d'améliorer notre condition, assurer notre sécurité. Ensemble, nous sommes plus forts. Ensemble, nous sommes plus forts. Aux membres de la Fédération internationale des travailleurs domestiques, salutations, amour de l'Alliance aux États-Unis. Aux États-Unis, nous sommes
dans le combat de nos vies pour défendre les vies noires. De nombreuses vies noires ont été perdues aux mains des vigilants racistes. On a une personne à la Maison Blanche qui encourage tout cela. Dans le contexte de la crise du COVID, les Noirs ont perdu bien plus de vies, d'emplois, et les communautés noires ont été mises à mal par cette crise. Ça déclenché un mouvement majeur de par le monde. Les gens demandent de la justice et un changement. Aux quatre coins de notre pays, les travailleurs domestiques sont au front de cette pandémie mondiale et la crise aux États-Unis. Les premiers à avoir perdu nos emplois, nos revenus, laissés de côté dans les mesures de soutien. Nous n'avons toujours pas accès aux tests et aux soins, continuer à assurer des services essentiels à des personnes les plus vulnérables au COVID. On continue à s'organiser, se mobiliser pour les vies noires, les travailleurs essentiels qui sont souvent des femmes de couleur, pour un investissement massif dans l'économie du soin. Nous savons que vous êtes à nos côtés et nous sommes avec vous en s'organisant pour la dignité, le respect, pour protéger nos vies à cet instant. En tant que mouvement domestique, nous avons toujours vécu avec et pendant des crises. Ça a montré au public toute la douleur et l'injustice qui a toujours façonné nos vies. L'idée WF n'a jamais été plus importante, et que cela offre l'espoir et l'ouverture qu'il nous faut pour changer le monde. Nous sommes avec vous toujours. Bonjour et salutations. Merci de me donner quelques minutes de votre temps de pouvoir apporter des salutations, de la solidarité pour votre travail à venir. Merci de m'avoir accueilli à la réunion internationale. On a eu le privilège de vous entendre, de dialoguer avec vous et d'apprendre sur les questions de harcèlement sexuel. Je souhaite que l'on explore plus avant et que l'on traite le travail qui doit être fait pour que les travailleurs domestiques soient exempts de harcèlement sexuel et d'abus. L'isolement que vous connaissez en travaillant chez les gens, la façon dont ce travail n'est pas aisément perçu par les autres, font que vous êtes des cibles faciles et difficiles d'obtenir justice et une reconnaissance pour votre situation. Sur foi, les lois ne reconnaissent même pas vos existences. 17% sont des travailleurs migrants. C'est particulièrement difficile dans ces circonstances de naviguer dans le système, d'obtenir une aide, de s'échapper s'il le faut et d'obtenir justice. Nous savons que les travailleurs domestiques ont leur passeport confisqués, leur téléphone se trouve très isolé dans ces conditions. Ce sont des situations difficiles que nous connaissons pendant la pandémie. Vous êtes sur le front, vous apportez une aide, mais vous risquez également de contracter le virus face à ses conséquences. Donc, en avançant et en continuant à travailler et en mobilisant pour vos droits d'être pleinement reconnus, en cherchant une meilleure adoption de la Convention 189 de l'Organisation du travail. Je vous envoie toute ma solidarité. Sachez qu'on continue à soutenir votre travail. Je voudrais saluer le travail de la Fédération, de ses affiliés, vous tous. C'est votre organisation qui fera la différence. Prenez soin de vous. Thank you.
Bonjour, mon nom est Shirley Price, présidente de l'Union des travailleurs, un membre exécutif de la Fédération internationale des travailleurs domestiques pour les Caraïbes. Le 16 juin, la Journée mondiale des travailleurs domestiques, je m'adresse à tous les travailleurs domestiques, toutes nos fédérations. S'il vous plaît, montrez que vous avez 1 million de raisons de plus à sourire, à rire et 1 million de raisons d'aimer. Restez en sécurité et restez fort. La Fédération internationale des travailleurs domestiques s'occupe de toutes les fédérations pour acheter de l'alimentation comme nous avons ici, vous aider à régler les factures, à payer les salaires, des fonds pour acheter des équipements de production. Et je m'adresse à chacun d'entre vous en sollicitant votre aide pour aider le Fonds de solidarité de la Fédération internationale des travailleurs domestiques. Nous sommes ensemble. Occupez-vous de ceux qui s'occupent de vous. Faites un don à notre fonds aujourd'hui. Merci. ¿Me escuchás, Sofi, vos? Ah, ok. Ah, parece que ya terminó. Después te quiero hablar en privado. Esto fue un desastre. Nadie, ya cerraron.
Saludos a todas las compañeras. Un beso grande para todas. Las quiero mucho. Hello.